Les vraies voix Sud Radio. Trois mots dans l'actu qui sont Félix Mathieu, infamie, immigration et salaire. Ce procès est une infamie pour moi et mes proches, lance Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, comparé depuis cet après-midi devant la Cour de Justice de la République. La loi immigration débarque au Sénat et s'y cherche une majorité de circonstances. De droite selon la gauche, de gauche selon la droite. Texte gentil avec les gentils et méchant avec les méchants, plaide le ministre de l'Intérieur. Et puis les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin, 11h25, selon un collectif féministe. Les Glorieuses ont lissé sur l'année les inégalités de salaire avec une différence de 15,5% entre les femmes et les hommes. Les vraies voix Sud Radio. Ah, comme c'est loin, 2017. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Eh ben ouais, c'était il y a 6 ans, c'était... Il y a un siècle. Car oui, c'est bien un garde des Sceaux en exercice qui comparaît depuis 14 heures devant la Cour de justice de la République. Éric Dupond-Moretti, jugé pour conflit d'intérêts, accusé d'avoir profité de son poste au gouvernement pour déclencher des enquêtes administratives contre 4 juges auxquels il s'était opposé dans ses anciennes fonctions d'avocat. Pour moi et pour mes proches, ce procès est une infamie, lance le garde des Sceaux. Jusqu'à ces dernières heures, je ne me suis pas défendu pour ne pas que mon ministère et mon action ne soient éclaboussés, ajoute l'ancien ténor du barreau. Sur le fond, il assure n'avoir fait que suivre les recommandations de son ministère en déclenchant ses enquêtes administratives. En tout cas, un ministre de la Justice face à la justice, situation inédite, rappelait tout à l'heure l'ancien président de la République, François Hollande, sur Sud Radio. Moi, je peux simplement rappeler quelle était la règle quand j'étais président de la République. Oui, elle était sévère, elle était sans doute injuste. Tout ministre ou tout conseiller qui était mis en cause dans une procédure judiciaire ne pouvait plus rester dans sa fonction. C'était la règle quand j'étais président. Emmanuel Macron a une autre jurisprudence, a une autre méthode. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, je pense que c'était beaucoup plus clair. D'ailleurs, c'est assez relativement injuste. Pourquoi François Bayrou est parti quand il était ministre de la Justice, parce qu'il était mis en cause dans une procédure, et que Monsieur Dupond-Moretti est resté aller poser la question au président de la République. L'ancien président de la République, François Hollande, au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. L'ancien Premier ministre Jean Castex et l'ancienne garde des Sceaux Nicole Belloubet seront eux appelés à la barre comme témoins durant ce procès d'Éric Dupond-Moretti. Et le deuxième mot, Félix, c'est immigration. Le Sénat s'en part du projet de loi clivant. Objectif pour Gérald Darmanin, trouver une majorité de circonstances, lui qui résumait ainsi la philosophie de son texte. Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Et ben voilà, le projet de loi arrive dans un Sénat tenu par la droite, pour qui l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier fait office de repoussoir. Mais à l'Assemblée nationale, au contraire, la suppression de l'aide médicale d'État ou la mise en place de quotas peinent à passer à gauche et même au sein de l'aile gauche des députés macronistes attachés à un certain équilibre du texte. Pendant ce temps, en tout cas tout à l'heure, 35 associations et collectifs de défense des sans-papiers se mobilisaient contre cette loi immigration à Paris. Parmi eux, un ancien candidat à la présidentielle, Benoît Hamon, désormais directeur général de l'ONG Singa Global. L'hypocrisie de ce gouvernement. Vous avez d'un côté le ministre de l'Intérieur qui dit on va expulser les sans-papiers. Vous avez de l'autre côté l'administration de Bercy qui dit on est bien content de prendre les impôts, la TVA, la CSG et les cotisations sociales de ces travailleurs sans-papiers. La logique, c'est la régularisation de tous ceux qui travaillent et pas simplement au cas par cas, en fonction de tel ou tel métier en tension. On ne regarde pas ce qu'est la contribution des immigrés. Sans leur cotisation, il n'y a pas d'équilibre de la sécurité sociale. De pan entier de notre économie qui s'effondrerait, ça, des responsables politiques devraient le dire. Ils ne le disent pas et c'est pour ça que cette loi est une nouvelle loi qui ne servira à rien, sinon à rendre plus difficile la vie de beaucoup de gens que l'on connaît et que l'on croise tous les jours. Benoît Hamon, directeur de l'ONG Singa Global, au micro AFP de Nina Izani. Troisième mot, salaire. Les femmes travaillent gratuitement depuis ce matin, 11h25, selon un collectif féministe. Debout, fameuses esclaves. Du travail gratuit jusqu'à la fin de l'année, selon la lettre d'information Les Glorieuses, qui dénonce les inégalités salariales entre femmes et hommes. Cette date et cette heure, 11h25 ce matin, c'est symbolique. Elles ont été calculées à partir de statistiques européennes sur l'écart de salaire entre les femmes et les hommes en France. Ça persiste d'année en année. Cette année, les femmes gagnent en moyenne 15,4% de moins que les hommes. C'était 15,8% l'année dernière. Ça baisse un tout petit peu, mais en fait, ça stagne, selon les auteurs de ce calcul Les Glorieuses.
Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dites un mot. Je voulais dire un mot de la première ministre islandaise, qui est une femme formidable, qui a fait grève en même temps que les femmes dans son pays, parce qu'elle voulait lutter contre les injustices faites aux femmes, et de sa part, c'était plausible. Dans ces régimes-là, on aurait vu Elisabeth Borne faire grève en même temps que les femmes, ça aurait été grotesque. Parce qu'on est dans un régime, mon Dieu, de monarchie républicaine.